Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que P2NC ou Tichinode-NC est encore apte à build? Bonjour et bienvenue, c'est Tichinode-NC. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Minecraft. Oui, j'avais dit que j'ai arrêté cette chaîne, oui, j'ai dit que je vais quitter Minecraft, mais oui, j'ai repris Minecraft et je m'étais promis plutôt, je m'étais promis que si je refais une vidéo Minecraft, je le faisais sur cette chaîne. Donc, chose promise dans ma tête, chose due pour vous. Donc, tant mieux. Aujourd'hui, on va répondre à cette question que je me suis posée. C'est est-ce que je suis encore capable de build? Est-ce que j'ai encore un niveau décent en termes de construction? La réponse en image, maintenant. Donc, dernièrement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de construire, tu vois. Et du coup, je suis venu construire. J'ai commencé par ça, tu vois, que j'ai posté sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, God damn it, bullshit, c'est dégueulasse. Enfin, en tout cas, personnellement, je n'étais pas satisfait de ce petit matériel. Du coup, je me suis dit, attends, P2, P2, attends, P2. Oh, où est le skill Deep Academien? Où est-il passé? Eh ben, du coup, vu que le skill Deep Academien est revenu comme ça, tel une invocation, tel une emprise sur mon corps, je me suis dit, mais oui, mais qu'aurait fait un membre de la Deep ou un chinois il y a 2 ans de ça ou 1 an de ça, il aurait fait un poteau so fucking huge. Du coup j'ai commencé par un pilier, pardon, so fucking huge, tu vois, un grand pilier, un pilier énorme, un pilier grand comme ma non, on fera pas cette blague. Ouais, et d'ailleurs constater que je n'ai plus de shader, je n'ai plus rien parce que mon ordinateur sur lequel je recordais habituellement est décédé. Lui décédé, et pour le réanimer ça coûte trop cher, donc je préfère en acheter un autre, tu vois. C'est le phénix, il va mourir et de son décès va renaître un autre ordinateur, peut-être plus puissant, on ne sait pas encore, mais ça sera la réponse en septembre. Donc ouais, j'ai commencé par un pilier mon gars, un pilier en bois parce que j'avais envie de travailler avec du bois, surtout que je suis en version 1.7.10 murée, donc ça envoie du pâté. Donc je commençais par un pilier, ensuite je me suis dit, bah, attends, après le pilier on fait quoi? Ben on fait un pattern murée. Donc j'ai fait un pattern, tu vois, j'ai fait ce pattern, j'ai fait... Ok, c'est mon brouillon, c'est pas mal, ça jette les bases, ouais ça va, tu vois, j'ai fait un petit pattern, comme ça je me suis dit, ça va, c'est pas mal. J'ai pas trop perdu en termes de skill. Un pattern qui a été posté sur les réseaux sociaux si vous voulez aller checker, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description bien évidemment. Et sinon après je me suis dit, bah attends. J'ai eu une idée comme ça là, tel Zoro est arrivé. J'ai fait ce croisement et je me suis dit, ok, ça mon ami, ce truc là, ça c'est ce qui va définir mon pattern. Et du coup, je suis parti sur ça, parce que le pattern là, on va pas s'en servir, il sert à faire joli et me faire parler. Donc, je me suis dit, ça, c'est le pattern que je vais utiliser partout, c'est ma base. Et du coup, je m'en suis servi comme base. Donc, vous voyez, pattern full bois. C'est bien quand même ne pas avoir les shaders, hein, ça donne une autre ambiance sur le build. Mais j'aimerais bien le voir avec les shaders en revanche. Malheureusement, je pourrais plus faire avec les shaders. Enfin, on va voir comment je me débrouille. Donc, ouais, petit pattern de fenêtre avec une autre fenêtre au-dessus de la fenêtre parce que c'est fenêtreception ici. Ensuite je me suis dit, attends, faire un pattern style cathédrale, les classiques, hein, on ne change pas les classiques, hein, parce que tu mets du Fatai Bazooka à une soirée étudiante, ça passe crème, hein, full tacagoule, tout ce que tu veux. Donc voilà, ouais, j'ai donc fait ce petit pattern style cathédrale avec ce petit truc que j'ai trouvé ça kiffant, tu vois, je l'ai fait, je me suis dit, oh god damn it, mais c'est trop cool! Du coup, je l'ai remis en dessous, tu vois, un peu modifié bien évidemment, hein, mais je l'ai remis en dessous pour que ça fasse un petit effet, voilà, petit effet tranquille, et ça le rend bien, du coup. Après, je me suis dit, attends, parce que c'est un build, il me faut une entrée, donc voilà, j'ai fait une entrée, pattern qui me servira sans doute qu'une seule fois. Pour ceux qui ont un œil expert et qui sont experts du build, parce que vous suivez une chaîne d'un expert de build, hein, vous savez, hein, moi je suis un expert en build, bien évidemment. Voilà, mais retraité. Parce que voilà, j'ai 22 ans, je suis retraité, qu'est-ce que tu veux? Donc, j'ai repris le pattern qui est juste derrière. Hein, ceux qui ont un œil expert, voilà, je souligne pour les yeux non avisés. Et du coup, j'ai fait. Oh, truc que j'aime bien, c'est ça là. Simple. Efficace, mais ça envoie, tu vois. Simple, efficace, mais ça envoie. C'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Ça donne une texture, tu vois, au build.
ça donne un aspect différent. Déjà, la couleur est pas pareille, et surtout la texture est différente, parce qu'on a des textures qui sont ici lissées. D'ailleurs, ça, c'est ça, je le remplacerai pas par la livre. Ça pourrait bien le rendre avec du feuillage. Néanmoins, vu que je suis un mec qui pense à long terme, je me dis, ah, tu vois, pour une cinématique potentielle, on sait pas, c'est pas sûr, tu vois, ça risque de bouger avec les shaders, ça risque d'être la merde. Donc non. Non, on va pas utiliser ça pour les... On pourrait, hein, ça pourrait bien le rendre, franchement, mais voilà, c'est un choix stratégique, parce que vous savez que je suis un stratège aussi, en plus d'être un juriste, un constructeur, un musicien, un DJ, un producteur, un DJ et un... je sais plus ce que je voulais dire, et ben je suis un stratège, et du coup, voilà, j'ai pris le choix stratégique d'utiliser de la clé verte et verte claire, parce que voilà. Voilà, jusqu'à ça, c'est l'état totalitaire de P2 Land. J'ai dit, j'utilise ça. Donc, ouais, petite porte, pattern qui me servira sans doute qu'une seule fois. Après, là, j'ai craqué. Je me suis dit, attends, j'ai eu une idée, mais de l'espace. Je me suis dit, on va faire une horloge, bordel. On va faire un grand pattern en mode horloge, tu vois. Du coup, au début, j'ai commencé par mon classique, je dirais. Notez que j'ai mis 12 heures espacées tous de deux crans. Enfin, franchement, là, l'horloge, elle est à l'heure. Elle est à l'heure. D'ailleurs, si je veux le mettre à l'heure, il faudrait que je mette 13 heures, mais c'est pas grave. Elle est à l'heure. Derrière, je me suis dit, attends, on va continuer. Vu que je travaille sur de l'épuré actuellement, je me suis dit, attends, on va faire un pendule. Un pendule en or. Un pendule bling bling, mon gars. Un pendule qui envoie du pâté. Bon, en revanche, mon pendule est légèrement décalé parce que j'ai des problèmes. Vous voyez, en vrai, le poids du pendule devrait être légèrement sur la gauche. Voilà, c'est un détail. Les yeux avisés seront écarquillés ou loucheront, comme vous voulez. Du coup, ouais, c'est un problème qui ne gêne pas plus que ça. C'est un problème parce que c'est par rapport au genre de construction. La façon de build, ça impose des restrictions. Ça impose des restrictions, techniques. Et du coup, c'est comme les restrictions budgétaires françaises, tu vois. C'est obligatoire. Après, je pourrais ne pas les respecter, tu vois. Hein, mais le problème, c'est que si je les respectais pas, ces restrictions, ben après, ça fout la merde partout. Voilà, moi, je suis un politicien, les gars. Oui, votez pour moi aux prochaines présidentielles de l'année prochaine, 2017, P2 président. Direct. Ensuite, attendez, hop, j'ai oublié ça. J'ai oublié un pattern sur lequel j'ai travaillé. Et évidemment, un autre pattern sur lequel j'ai travaillé. Voilà, bien sûr, je n'ai plus de potion de vision nocturne. Hein, c'est pratique. Oh, couillon. Voilà, night vision, please. Alright. Du coup, voilà, comme ça, on voit bien sans les ombres et tout. Du coup, pattern. Pattern avec deux petites fenêtres en mode symétrique. Mais pas totalement, c'est à dire que bon, dans la symétrie, il y a de la symétrie. C'est à dire que bon, le pourtour, c'est un seul, tu vois, ok. Après l'intérieur, c'est symétrique, on est d'accord. Sauf que là, c'est asymétrique. Enfin, c'est symétrique, mais pas vraiment asymétrique. Ah, fuck it, c'est symétrique, ok, vous avez gagné. C'est symétrique, mais moi j'avais décidé que c'était pas symétrique. J'avais un raisonnement qui ne se tient plus. Vous savez, les gars, on peut faire un mème sur moi et ma façon de build. Et ce mème, ça serait un bonhomme. Tu sais, le bonhomme qui a les yeux qui brillent, ben ce bonhomme, mais avec les yeux en croix, en plus. Parce qu'on a l'impression que je suis sponsorisé par la Croix-Rouge, moi. Tu vois, il y a des croix partout. J'aime les croix, mon gars. Hein, si, ouais, voilà, on aime les croix, je sais pas. C'est un motif qui me plaît, donc moi, je le mets partout. Là, il y a le toit, sans croix, mais il y a un toit. Voilà, un toit massif, hein, avec un bois massif, bien sûr. Voilà, jeu de mots, jeu de main. Donc, on a donc un toit en pointe, voilà, simple, efficace, ça envoie du pâté, encore une fois, pâté en croûte. Quand même, tu sais, hein, hop là, on change pas les classiques. Donc, ensuite, bien sûr, il n'y a pas que des grands patterns, bien évidemment. Il y a des patterns aussi qu'on appelle des patterns de transition, qui sont des patterns qui servent, comme le nom l'indique, de transitionner. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est magnifique la langue française. Donc voilà, des patterns qui doivent être en termes de largeur, ici, moitié moins grand peut-être, ou je sais pas trop, j'ai pas fait gaffe, je fais ça comme ça et je vois après. Donc pattern au nombre de 2, voilà, ces deux petits patterns là. Toujours en bois avec un peu de fenêtres. Bien évidemment, on pourrait virer les fenêtres. Ouais, on pourrait virer les fenêtres sur l'une,
une première fenêtre sur l'autre, je sais pas encore. C'est faisable honnêtement parce qu'il y a des fenêtres partout sinon. Donc honnêtement, ouais, ça peut se négocier, tu vois, hein, comme la loi M. Connery, on essaie de la négocier, mais 49-3, bim. Donc, bref, ouais, sinon j'ai fait des patterns en forme d'arche, voilà, casse-toi s'il te plaît. Voilà, j'ai fait des patterns en forme d'arche, voilà, pretty simple, des petits patterns, quoi, voilà, des petits patterns, et un grand pattern, toujours dans le même délire, avec des croix, voilà. Voilà, voilà. Une petite coupole. Une coupole avec une guirlande de Noël parce que je me suis pris pour le Père Noël. Avec une autre petite coupole au-dessus de la coupole parce que si c'est une coupole sur coupole, c'est tel un dromadaire, tu vois. En plus, ouais, c'est un dromadaire parce que là, c'est qu'une bosse, tu vois. Un chameau, ça. Attends. Ouais, dromadaire. Attends. Ouais, dromadaire, ça a une bosse. Chameau, ça a deux bosses. Alright. Culture générale, mon gars. Donc. Petite coupole faite sur une base carrée avec mes patterns, comme vous pouvez voir, de piliers, le pattern de je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus le nom que je vous ai dit. Coupole, je suis pas encore sûr de celle-là, hein, très honnêtement, je trouve qu'il y a un peu trop de trucs dessus, les petits points ils m'ont pas encore convaincu, donc on va voir. En revanche, celle-là, je suis plus convaincu. C'est une petite coupole avec un tissu par-dessus parce qu'on veut protéger la coupole du mauvais temps. Parce que oui, il est bien évident que qu'un toit ne sert pas à protéger les gens qui sont dessous. Du coup, il faut protéger le toit. Voilà, voilà, c'est tout. Et là, on a une dernière coupole faite sur la même base, mais avec un pattern créé sur mesure. Parce que voilà, on fait du sur mesure. C'est comme ça. C'est bien. Voilà, petite vidéo. Petite vidéo tranquille. En tout cas, j'espère que ça vous... Ah oui, là, il y a un petit organique, une tentative d'organique, attention. Sauf que bon, vous savez que les organiques, plus ils sont petits, plus c'est la merde pour travailler dessus. Et du coup, voilà. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Répondez-moi à cette question dans les commentaires. Est-ce que je suis encore capable de build? Honnêtement, pour moi, oui. Après, peut-être que vous ne serez pas du même avis. Peut-être que vous avez envie de me troller, je ne sais pas. Auquel cas, dites-le dans les commentaires. Sinon, je retourne mixer. Moi, je me débrouille très bien. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je le dis comme ça, je fais ma propre promotion parce que bon, c'est mes chaînes. J'ai posté une vidéo de mix, ce qu'un DJ devrait faire. Elle dure 2 minutes parce que j'ai fait ça avec 2 chansons hein, seulement. Et un peu de scratching, parce que oui, j'ai appris à scratcher. Mais bref, c'est comme ça quand on aime les choses. On le veut bien faire. En tout cas, voilà, j'espère que vous serez content de cette vidéo. Je sais pas si je reviens, si je vais faire des vidéos très très régulièrement encore. On va voir, en tout cas, si ça vous a envoyé du pâté. Et ben, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez, par exemple, que j'aille explorer quelque chose. J'ai une petite idée derrière la tête, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, j'espère que... J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et allez, salut !